Alors que des rumeurs de tension dans le couple Harry et Meghan circulent, un achat de la maman d'Archie et de Lilibet semble y mettre un terme. Bien qu'il paraisse anodin, un détail le concernant veut tout dire. C'est l'un des couples les plus en vue de ces dernières années. Le prince Harry et Meghan Markle ont eu un réel coup de foudre. Ils suscitent un intérêt mondial depuis l'officialisation de leur relation. D'autant plus depuis qu'ils se sont unis en 2018 et ont eu leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Mais, bien que populaire, le couple des Sussex connaît bien des turbulences depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Les Britanniques ont eu du mal à accepter le Megaway en 2020. En effet, Harry et Meghan, toujours apprêtés, ont décidé de quitter l'Angleterre ainsi que leurs fonctions royales. Cela dans le but de s'installer en Californie afin de refaire leur vie là-bas. Depuis, de réelles tensions se sont fait ressentir entre la couronne britannique et le couple. Ces derniers mois, ce fut l'apothéose suite à la mini-série documentaire sortie sur Netflix ainsi que les révélations explosives des mémoires du prince Harry. Des tensions telles que les rumeurs ont fini par viser Harry et Meghan, eux-mêmes, en disant que les amoureux seraient actuellement en crise. Meghan Markle, cet achat significatif destiné au prince Harry alors que depuis quelque temps, des rumeurs de séparation vont bon train, il semblerait qu'un achat de Meghan Markle destiné à son mari, remette tout en cause, pour le plus grand bonheur de leurs fans. En effet, l'ex-actrice américaine a décidé d'avoir une petite attention envers l'homme qu'elle aime afin de rallumer la passion. Elle a été aperçue en train d'acheter des fleurs érotiques au père de ses enfants. Il s'agit d'orchidées Phalaenopsis exotiques qu'elle a choisies au Santa Barbara Certified Farmers Market. Emma Branquin, floriographe victorienne, a expliqué au Daily Mirror que Meghan Markle souhaiterait faire un grand geste par le biais de cette attention envers le prince Harry. Ces fleurs sont connues pour orner les maisons les plus riches. Mais elles sont aussi et surtout considérées comme un symbole de passion. La floriographe a par ailleurs précisé que ces fleurs sont toujours considérées par certains comme l'une des fleurs les plus érotiques disponibles aujourd'hui. En plus de cet achat significatif, un des proches du couple avait mis fin aux rumeurs de tension en déclarant à son sujet « Tellement agréable de voir mes amis Harry et Meghan vendredi avant qu'ils ne partent pour le long week-end. S'il vous plaît, ne croyez pas les médias. Ils sont très amoureux et sont heureux ensemble, que des sourires et des rires ici », avait-il déclaré. Tout semble aller au mieux, entre les tourtereaux. Et c'est tant mieux. On your